Eh bien, salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très très bien, pour ma part, la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, ça va être une vidéo très spéciale, j'ai envie de dire, ça va vraiment être sympa. Alors, à travers cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter mes deux cadeaux d'anniversaire, sachant que c'était mon anniversaire il y a quelques jours, et donc j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer les cadeaux que j'ai eus, sachant que c'est des cadeaux qui ont bien sûr un rapport avec les animaux et plus particulièrement les reptiles. Alors le premier cadeau que j'ai eu, c'est un cadeau que j'ai eu de Julie, donc de ma conjointe, de ma copine que vous connaissez. Et ce cadeau, c'est un objectif macro. Alors c'est pour l'appareil photo, alors vous allez me dire ouais cool, ça sert à quoi? L'objectif, donc c'est un Tamron macro, un f2.8. Donc ça va tout simplement me permettre de faire des photos de beaucoup plus près de mes reptiles. Donc je vous mettrai là quelque part des photos que je peux faire maintenant avec cet appareil photo. Et d'ailleurs je vous invite à rejoindre ma page et mon Instagram qui est dans la description, où en fait je publie des photos de l'élevage, de toutes les bêtes qu'il y a là. D'ailleurs il y a des nouvelles bêtes et ben elles sont déjà sur les réseaux. Mais vous les avez pas encore vues, vous les verrez dans quelques jours, quelques semaines, vous verrez bien à travers une vidéo. Donc pourquoi je suis hyper content de l'avoir? Tout simplement déjà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, un objectif ça vaut quand même pas mal d'argent. Donc c'est vrai que j'avais demandé à Julie si elle arrive à regrouper les fonds avec ma famille, tout ça, pour pouvoir me permettre d'en acheter un. Ce serait vraiment génial. Il va m'être utile pour l'élevage, faire des photos en gros plan des reptiles, pouvoir faire des photos aussi en nature d'animaux, d'insectes, tout ça. Genre que je suis de plus en plus passionné par les photos. À la base, c'était plus pour faire des photos des animaux que j'avais et vous les montrer. Et avec le temps, c'est de plus en plus pour mon propre plaisir, faire des photos, tout ça. Donc je suis vraiment hyper hyper content. Le deuxième cadeau, il est un peu plus imposant et c'est un cadeau de mes collègues de travail. Voilà, j'ai la chance d'avoir des collègues de travail plutôt formidables. Voilà, si jamais ils l'entendent, ça passera bien. non, tout simplement un cadeau de ouf. Alors là, j'ai bien sûr rien demandé à mes collègues, mais ils m'ont fait une belle surprise. Cette surprise, c'est... vous montrer. Alors c'est assez grand. Ah, c'est lourd, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voilà. Donc, je sais pas si vous le voyez entièrement, il est énorme, hein. On parle d'un... Donc c'est un iguane, supposé être un iguane, alors c'est pas un vrai, hein, vous l'avez remarqué. Il est très lourd, c'est pas du plastique, c'est de la résine, avec, je sais pas, on dirait une texture de chute. Voilà, je vous le montre de plus près. Donc voilà, un cadeau magnifique, et du coup, je voulais vous le montrer. Donc merci à eux, et du coup ben faudra que je le mette quelque part dans le décor. Vous le retrouverez également peut-être sur les bourses aux reptiles, parce que c'est vrai qu'il est quand même beau, donc c'est vrai que je le mettrai certainement. Il doit bien faire 1m20, donc ouais, un iguane tout noir. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Bien sûr, ils sont tous au courant comme quoi ben, j'adore les reptiles, j'adore les animaux, que j'ai travaillé dans le domaine pendant très longtemps. Voilà les deux cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, donc c'est quand même énorme, moi je suis hyper content. Dites-moi, ce que vous souhaitez, c'est bientôt Noël, est-ce que vous avez demandé des choses en rapport avec les reptiles? Dites-moi ça dans les commentaires. Prochainement, il y aura bien sûr, comme d'habitude, les Animalia tous les premiers lundis du mois. Il y aura également une vidéo, vous êtes très très nombreux à me l'avoir demandé, sur la pièce. La nouvelle Reptile Room, parce que vous voyez un peu là autour de moi, hop, regardez, hop, parce que ça commence très très loin là-bas, hein, je veux dire, vous voyez que très peu, et ça, ouais, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup. Donc il y aura une vidéo sur la Reptile Room en cours. Il y aura une vidéo également pour vous expliquer à où j'en suis actuellement, parce que beaucoup d'entre vous me disent, mais Luc, est-ce que t'as un boulot à côté? Bon, maintenant vous l'avez bien compris que oui. Est-ce que t'as un boulot? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'évolues? Est-ce que tu t'en sors? Tout ça. Donc il y aura aussi une petite vidéo là-dessus, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et bien sûr, plein, plein, plein d'autres vidéos des reptiles que vous n'avez pas encore vues. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a deux, mais je suis vraiment hyper content. Quand on voit la taille du truc, voilà. Je sais pas où je vais pouvoir le mettre. J'aimerais bien, vous savez, le mettre comme ça et qu'on le voit dans les vidéos et tout. Mais je sais pas où le mettre, quoi. Donc voilà, faut lui trouver un nom.
Or ça va être peut-être la mascotte de la chaîne, hein, si déjà vu la taille qu'il fait, étant donné qu'il a pas besoin d'être nourri, au moins là on est tranquille, hein. Je pourrais le sortir dans toutes les vidéos et ça lui fera rien. Alors ouais, on va donner un nom à un objet, mais bon, c'est pour le délire. Si vous avez des idées, je suis pas sûr, mais bon, j'ai jamais. N'hésitez pas à faire vos propositions. Voilà, écoutez les amis, cette vidéo est déjà terminée. C'était une petite vidéo pour vous montrer mes deux cadeaux, voilà, que j'avais envie de vous présenter. Il y aura également des vidéos sur les bébés. Enfin, il y a plein de choses que je suis en train de préparer. Comme je l'ai dit, je fais les vidéos quand j'en ai vraiment l'envie. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugues de Chez Blépaille. Ciao tout le monde.